Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On quitte la Thaïlande. Aujourd'hui, on est à l'aéroport de Bangkok et on prend la direction de Taïwan. On va à Taipei, la capitale. Et il nous tarde vraiment de découvrir le pays parce que déjà, c'est un pays qu'on n'a pas fait. Non. Et surtout, on a pris nos billets d'avion il y a tellement longtemps parce qu'en fait, mon petit frère travaille à Taïwan depuis juin dernier. Et quand il arrive à Taïwan, nous, en fait, on a pris nos billets d'avion pour l'Asie, pour la Thaïlande, pour Bangkok. Et on a pris instantanément le billet de sortie de la Thaïlande pour aller à Taïwan et le rejoindre comme ça. On a un pied à terre, il va pouvoir nous faire découvrir des choses. On va lui faire découvrir des choses aussi parce qu'on a prévu pas mal d'activités. Ça va être exceptionnel à mon avis ce voyage à Taïwan. On a beaucoup de choses de prévues, on a hâte de vous montrer tout ça. Apparemment il fait moins chaud quand même. Il va faire moins chaud qu'en Thaïlande. On a remis les pulls. On a remis les pulls déjà parce qu'il y a la clim dans les avions, mais aussi parce qu'à Taipei il fera sûrement une dizaine, voire une quinzaine de degrés en moins. Enfin, on pense surtout à ce qu'on va manger en arrivant parce que ça va être un nouveau pays, des nouveaux plats, des nouvelles saveurs. Je pense qu'on va se régaler. On va se régaler. On va y passer un mois à Taïwan. On va faire le tour de l'île et on a énormément de choses à vous montrer. Il nous tarde d'arriver à Taipei. On embarque dans 5 minutes et on aura à peu près 3h30 de vol entre Bangkok et Taipei. On vous en dit un petit peu plus une fois qu'on aura posé le pied à Taïwan. À tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé à Taïwan, à Taipei, dans la capitale, et on est reçu par Valentin. Bonjour à tous. Mon petit frère qui habite à Taïwan depuis Juin 2022. Juin 2022, donc ça fait un peu plus de 6 mois que tu es là. Tu travailles ici, et du coup, là, il fait un petit peu plus frais que quand tu es arrivé. Là, il fait quoi? Il fait une vingtaine de degrés, il fait bon quand même, mais quand tu es arrivé, il faisait très très chaud, hein, c'est ça? Oui, il faisait 35, 36, avec des ressentis à plus de 40. Donc, Des ressentis à plus de 40, c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu ça en Asie, et on l'aura pas là à Taïwan, mais c'est ce que tu as eu en arrivant à Taipei. Donc c'est vrai que c'est chaud, humide, Taïwan. Et là, il fait un petit peu plus froid en ce moment et c'est pas plus mal. Donc, tu es venu nous chercher tout à l'heure à l'aéroport de Taoyuan. C'est l'aéroport international, il n'est pas directement dans Taipei. Et on a fait quoi? On a fait à peu près une heure de métro pour revenir. Il y avait le choix, hein, on pouvait prendre des bus ou des taxis, mais vu que tu connais la ville, tu nous as expliqué comment prendre les petits jetons pour le métro et on a pris le métro. Le métro, spacieux, calme, sympa, franchement. Très propre. D'ailleurs, on a mis énormément de temps avec Marion à l'aéroport. L'immigration, il y avait une queue pas possible. On a mis plus d'une heure, quasiment une heure et demie après la sortie de l'avion. Donc là, il est à peu près 17h45. On va aller manger. Ça va être le repas du soir pour commencer la vidéo. Ensuite, la nuit va tomber. Donc la nuit est quasiment tombée. On va aller filmer un petit peu dehors pour vous montrer les rues de Taïwan. On a eu un petit aperçu. C'est sympa, ça change de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en Asie. Là, c'est plus l'Asie du Sud-Est, là, c'est quand même un pays différent et on a hâte de le découvrir. On va aller manger juste avant. Je vous montre l'appart et on se retrouve pour le repas juste après. On a donc l'entrée juste ici avec le coin cuisine, la machine à laver juste là. Nous, on vient d'arriver. Là, j'ai posé mes affaires ici dans l'entrée. Valentin nous a préparé des madeleines. On va retrouver un petit goût français en arrivant à Taipei. Là, on a la salle de bain, le lavabo, les toilettes, la douche. Franchement, tout est propre. Et le plus sympa, c'est quand même le salon qui est juste ici. Donc, on a un salon qui est plutôt grand, tout vitré intégralement. Donc là, Valentin, tu nous disais que tu avais des rideaux pour tout tirer et être vraiment dans le noir. Mais là, on a une superbe vue. Alors là, il commence à faire nuit, mais je vous la montre. On a la tour la plus haute de Taipei qui est juste ici, la tour 101, qui fait
un peu plus de 500 mètres avec l'antenne. C'était la tour la plus haute du monde quand elle a été construite. Et donc, Valentin a son appart vraiment en plein centre de Taipei, à côté de la tour, et tu travailles dans la tour. On aura l'occasion d'aller visiter cette tour d'un petit peu plus proche. On l'a vu déjà sur le chemin en arrivant, en sortant du métro. On a donc le salon juste ici. On l'avait vu en FaceTime quand on avait appelé Valentin, mais il fait plus grand en vrai qu'en vidéo. Franchement, super appart. Et au-dessus, on a la mezzanine avec le lit et la petite télé. Donc franchement, parfait. On est accueillis comme des rois. Et Valentin va nous amener manger dans un resto typique taïwanais. C'est parti pour le repas du soir. On a choisi Din Tai Fung, qui est une chaîne de restaurants taïwanaises, une chaîne extrêmement populaire qui a des branches maintenant dans le monde entier. Il y a des Din Tai Fung à Taïwan évidemment, mais aussi en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, on a vu aussi aux États-Unis, il y en a un petit peu partout maintenant. Et c'est une chaîne très connue qui a même reçu des étoiles au guide Michelin. Et c'est un restaurant de dim sum, comme on avait fait dans le quartier chinois à Bangkok. Et donc je disais, c'est une chaîne de restaurants extrêmement populaire et il y a beaucoup de monde. Il y en a plusieurs des Din Tai Fung dans Taipei. On a choisi un qui est pas le plus populaire, mais c'est quand même dans un centre commercial où il y avait beaucoup d'attentes. On a dû prendre un petit ticket. Il nous annonce entre 25 et 50 minutes d'attente, donc on est ressorti juste pour pouvoir faire le plan aussi à l'extérieur et retirer le masque, parce que le masque est obligatoire partout à l'intérieur à Taipei. Il est quasiment obligatoire même dans la rue, en fait il n'est pas officiellement, mais tout le monde le met. On a hâte de vous montrer ce resto parce qu'il a l'air exceptionnel. Valentin l'a déjà fait deux fois. La première fois c'était un lundi midi, il n'y avait pas trop d'attente. La deuxième fois c'était un samedi vers 14-15 heures et il avait quand même attendu une heure. Là on en a pour 25-50 minutes. On va attendre patiemment, mais à mon avis on va se régaler. C'est parti, on est à l'intérieur et on a attendu à peu près une demi-heure. Donc là, on a notre ticket et sur le ticket, il y a un QR code. Et en fait, il suffit de le scanner et on arrive sur le portable avec le menu. On fait la commande sur le portable. Voilà donc comment ça se présente. On a le menu aussi à côté pour voir à quoi ça ressemble. Et en arrivant, on nous a servi un petit thé chaud avec à côté un petit bol de gingembre. On commande, on vous montre le repas juste après. C'est parti. Les premiers plats viennent d'arriver, ça va arriver petit à petit. Pour l'entrée, on s'est pris du porc frit. On a pris deux assiettes pour trois et les premiers xiaolongbao viennent d'arriver. C'est la spécialité de la maison. Les xiaolongbao, c'est des spécialités de Shanghai et dans ce restaurant, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Et il y a une manière particulière de les manger, on va vous montrer ça en fait. Les xiaolongbao, ce sont des raviolis garnis de porc la plupart du temps. Ceux-là, c'est au porc, on en a pris aussi au poulet. Et à l'intérieur, il y a du bouillon. Donc en fait, il faut faire un petit trou dedans, boire le bouillon et ensuite manger le reste. Ça a l'air trop trop bon. On nous a amené la petite carte pour nous expliquer comment manger les xiaolongbao. Et donc c'est parti, on va en prendre un avec les baguettes. Je vais faire attention à pas le casser. Donc en gros, ce qu'il faut faire, cette sauce là c'est un mélange de sauce soja et de vinaigre dans le gingembre. Et en gros, on le trempe dedans. Hop, on le remet dans la cuillère. Et là, le but, c'est de le percer. Voilà. Donc là, je sais pas si tu vois bien, Marion. Là, il y a la sauce dedans, le bouillon. Ouais, le bouillon est super bon. Et donc là, on va manger le xiaolongbao. Donc celui-là, c'est au porc. C'est un régal. Là, ils nous ont apporté en même temps des dumplings à l'agneau. On en a pris un peu de toutes les sortes. On a pris toutes les garnitures possibles, que ce soit pour les dumplings, que ce soit pour les xiaolongbao. On s'est pris aussi des bao au porc. On s'est pris aussi en dessert les bao au custard. Il y a plein de plats qui vont arriver. On va tout manger, on va se régaler. Là, j'ai percé. C'est excellent. Franchement, c'est vraiment trop, trop, trop bon. Et juste en dessous, on a des bao au porc. On a une belle table bien remplie. Pour les xiaomai qui sont juste ici, on a une petite crevette au-dessus et à l'intérieur, c'est du porc. Et il y a aussi un petit peu de bouillon à l'intérieur. C'est juste excellent avec la petite sauce qu'ils nous ont préparée ici. Et là, on a les wonton dans une sauce apparemment bien épicée. Marion,
Un peu ? Valentin dit un peu épicé. Donc là, Marion est en train de mettre la sauce un petit peu partout et on va faire le fameux crash test de Marion. On aime les crash tests français épicés quand c'est potentiellement compliqué et qu'on a des têtes de Marion toujours bien sympathiques. Non, c'est pas trop épicé et c'est super bon. La sauce, elle est très, très, très bonne. Et là, juste avant, on nous a amené des dumplings. Alors, on les voit pas beaucoup, ils sont en dessous. Et en fait, ils ont été donc cuits à la vapeur, puis recuits à la poêle pour les griller. Le repas est terminé. On termine par les custard buns, les petits bao au custard. Notre petit péché mignon avec Marion. C'est parti, on mange ça. Et après, on va aller se balader dans Taipei, faire des petits plans de nuit parce que en ce moment, c'est le festival des lanternes et tout est illuminé. Ça va être super beau. Excellent, on s'est baladé un petit peu dans Taipei, c'est donc le festival des lanternes en ce moment. C'est un festival qui a lieu à Taïwan tous les ans depuis 34 ans et ça faisait 23 ans qu'il n'avait pas eu lieu à Taipei parce qu'en fait tous les ans c'est dans une ville différente. Il y a 34 ans c'était à Taipei, après ça a été dans un petit peu plein de villes à Taïwan et le dernier à Taipei était il y a 23 ans. Donc on a pu profiter un petit peu des lanternes, mais elles sont éteintes tous les jours à partir de 22h, donc on n'a pas pu toutes les voir, il y a des zones incroyables. On vous filmera un petit peu plus demain toutes les lanternes qu'on peut trouver dans Taipei, c'est vraiment magnifique de nuit. Et là, on continue de se balader un petit peu avec Valentin qui nous a montré des rues très sympas, avec Marion qui est juste derrière. On s'est régalé hein, tout à l'heure pendant le repas, vraiment, on a ultra bien mangé et ça fait plaisir de découvrir de nouvelles saveurs. On se balade dans les rues de Taipei. Franchement, premier aperçu, très sympa, très coloré, très joli, très urbain par rapport à ce qu'on a pu avoir avant en Thaïlande. Bref, on a hâte de passer un mois ici et de vous montrer tout ce que Taïwan a à nous offrir. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, mettez un like sur cette vidéo si le contenu vous a plu. Pareil pour les commentaires, on les lit tous les soirs avec Marion, tous les matins. On les lit et ils nous font extrêmement plaisir. Et en plus de ça, ils participent au succès de cette chaîne. Ils participent au fait que YouTube mette en avant les vidéos. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent dans cette aventure. On se retrouve demain pour une première vraie journée à Taipei. Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même une journée transport. À la prochaine.